Où elle reste? Où est-ce que tu l'as cachée? Elle est crash! Allons. Ça te sert à rien de résister. Ton père est plein aux as. T'as pas besoin de ça, toi. Ça va vous servir à quoi? À vous acheter encore des armes? Pour quoi faire? Pour tuer des policiers comme ces assassins du Frappe? Comme ceux du Mille? Mais qu'est-ce qu'on t'a fait, hein? Tu peux me le dire, ce qu'on t'a fait, bordel? Réponds! Mon collègue t'en veut un peu, tu sais. Toute sa famille est très pauvre. Ce sont de simples paysans, des journaliers. Alors des gens comme toi, ça lui tape un peu sur les nerfs. Les filles à papa. Les petites salopes de filles de riches qui s'amusent à jouer les communistes. Allez, tiens. T'aimerais bien devenir une martyre, hein? Quel dommage. Il faut que je te présente un ami commun. Je suis sûr qu'il saura trouver les mots pour te faire parler. C'est un grand ami à nous, et aussi un grand ami à toi. Toi? Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Arrête! Tania! Pourquoi elle? Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire du mal à notre fille? Vous m'avez demandé, gouverneur? Trouvez-le, Galvez. Trouvez-le et amenez-le-moi. Alors, Salmi Gondida est tendre et que de petits bouquets. Parfait. Langoustine mijotée au palourde, perdri en marinade, et queue de bœuf à l'étouffée. Excellent fumet. Ah! Comme disait Brian Samarin, le fumet est l'essence première d'un plat. Oui, encore faut-il savoir l'apprécier, Julio. On commence le service à quelle heure? Eh bien, en fait, elle devrait déjà être là. Tu sais pourtant que la cuisine n'attend pas. Oui, mais un gentleman, si. Hein?
Des Clovis. Je peux? Vas-y. Fantastique. Tout le monde vous connaît bien. Vous êtes beaucoup plus crédible que moi auprès des filles. Avec moi, ça ne marchera jamais. Est-ce que vous vous moquez de moi, mon père? Vous êtes vraiment très élégante ce soir. Merci. Je suis invitée au restaurant. Ah. Bon, passez une excellente soirée. Essayez de penser à ce que je vous ai demandé. Je vous donnerai ma réponse. Excuse-moi, Pépé, je suis très en retard. C'est pas grave. La voiture le vendredi soir dans Barcelone, c'est l'enfer. Ah, oh, quelle circulation. Tu l'as envie? Pas du tout. Désolé pour les clovis, elles étaient vraiment délicieuses. Un verre? Merci. Chin? À notre bonsoir, santé. Madame, monsieur. Bonsoir, monsieur. Puis-je vous apporter les entrées? S'il vous plaît, oui. Merci. Merci. Je meurs de faim, tu sais. On commence par quoi? Salmigondida est tendre et queue de petits bouquets, accompagné de langoustines mijotées aux palourdes. Je te demande pardon, mais il faut que je m'absente une seconde. Je reviens tout de suite. Déjà? Ouais. Mais tu viens d'arriver? Biscouteur, qu'est-ce que tu fais ici? On m'a tiré du lit. Des types sont venus au bureau. Ils voulaient absolument savoir où vous étiez, et en plus, ils faisaient partie du gouvernement civil. Le gouvernement civil? Ouais. Ils peuvent attendre, non? Monsieur Carvalho? Oui? Galvez, du gouvernement civil. Enchanté. Pépé, mais qu'est-ce qui se passe encore? Je suis désolé, Charo, mais je dois partir. Le devoir m'appelle, je crois. Ça a l'air d'être urgent. C'est tellement urgent que ça ne peut pas attendre? J'ai bien peur que non. Et que vont devenir toutes ces bonnes choses? Et moi, qu'est-ce que je fais? Ce serait un crime de laisser tout ça se perdre. Profitez-en avec Biscouteur. S'il vous plaît, on vous attend. Oui, au revoir, Charlito. Au revoir. Biscouteur. Oui. Ça m'a coupé l'appétit. Tu pourrais m'expliquer ce qui se passe? Un tutu. Son tutu. Notre fille est élève au conservatoire de danse classique. C'est l'un de ses professeurs qui l'a découvert. Vous l'avez fait analyser? C'est du sang humain? Non. D'animal. De poule, pour être exact. Ça ressemble beaucoup à une blague entre copines. Plutôt macabre, c'est vrai. Vous ne voyez pas ce qui est écrit? Vous ne le voyez pas? Mourir 20. Béa aura 20 ans dans une semaine. 20 ans, vous comprenez? Allons, calme-toi, ma chérie. Pardon. Si vous croyez vraiment que c'est sérieux, pourquoi n'alertez-vous pas la police? En tant que gouverneur... Pour qu'il y ait une enquête officielle sur ma fille? La presse s'en emparerait immédiatement. Et nous savons que vous êtes très efficace. Nous avons enquêté sur votre parcours. Professionnel ou politique? Les deux. Vous pouvez toujours vous dire que travailler pour le gouvernement civil est une bonne garantie pour vos honoraires. S'il vous plaît, découvrez qui a fait cela. Galvez vous aidera autant que vous le souhaitez. Il est mon secrétaire personnel et aussi mon ami. Si je prends cette affaire, je ne veux pas voir votre police me tourner autour. On est d'accord? Votre fille, c'est quelque chose? Non, non, non. Nous ne voulons pas le lui dire. L'effrayer ne servira à rien. Elle n'a même pas 20 ans. C'est une enfant.
Ce soir, j'ai dû laisser tomber mes deux passions à cause de vous. Deux? Une femme splendide et une cuisine exceptionnelle. Les adjectifs sont interchangeables. Alors, c'est ici qu'habite le gouverneur. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus chaleureux. Dans quelle partie du bâtiment habite sa fille? Dans aucune. Elle a son petit chez elle? Ça vous complique tout, n'est-ce pas, Carvalho? En dehors d'ici, elle sera moins facile à protéger. Ma tête ne vous revient pas. Ça n'a rien de personnel. Mais si j'étais le gouverneur, je ne mettrais pas les affaires de ma famille entre les mains d'un détective privé. Bien sûr. Vous les mettriez entre les vôtres, non? C'est pas vrai, ça! Ici, c'est mon coin! Alors tu te tires ou je te vire un coup de pied dans les fesses! Où tu caches tes cohibas? Ils sont là, je les cache pas. Donne-moi ce couillon. Je joue les gros bras, mais dès que ça chauffe, ça détale. Tu crois que je me tire à cause de toi, peut-être? Eh ben, tu te cours. Si je me tire, c'est parce que c'est l'heure. L'heure de quoi? Ben, l'heure de la bouffe. Depuis que c'est le Turé qui s'occupe de la soupe populaire, on poirote des plombes et des plombes. Mais au moins, la bouffe est correcte et gratos. Tiens, regarde. Ils vont tous faire la queue. Tu viens ou tu te sers la ceinture? Que moi, je bouffe à la soupe populaire? Non, mais pour qui tu me prends? Allons te faire voir. Tu le sais, toi, la charité, je laisse ça aux autres. Moi, je paye ce que je mange. Eh oui, je le sais, Bromure. Non, aujourd'hui, j'ai rien d'intéressant à te raconter. J'ai bien ouvert les oreilles, mais ça bouge nulle part. Ni chez les voleurs, ni chez les macs, ni dans la mafia nationale ou étrangère. Et toi, qu'est-ce qui t'amène, Pépinou? Une affaire de danseuse. De danseuse? Prends ça. Ça fait quand même beaucoup, non? Tiens, pourquoi tu ne paierais pas une petite assiette de calamar, hein? Viens, je t'invite. Vraiment sympa. Comment êtes-vous certaine que votre mari vous trompe? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Beaucoup de petits détails. Il ne ronfle plus. Il teint ses cheveux. Et surtout cet horrible parfum qui empeste. La seule chose qui me manque, ce sont les preuves. Beaucoup de mes clients auraient préféré ne pas en avoir. Moi, non. Je suis catholique. On m'a appris que le péché devait se payer. Oui. Que sentez-vous? Mon parfum? De la violette? Oui. Oui, c'est bien ça. Avant, je mettais du mimosa, mais j'ai trouvé que finalement, c'était trop... trop enivrant. Je comprends. Je vous appelle dès que j'ai appris quelque chose. Au revoir. Du mimosa. Et alors, Biscouteur, je peux savoir d'où vient toute cette fumée? C'est une surprise. J'ai bien fait griller les vermicelles. Comme vous aimez, chef, je sens qu'on va se régaler. Attends, tu vas tout me salir avec la graisse. Ça va aller comme ça. T'aurais pas mis un peu trop d'huile? Ah non, il y a tout ce qu'il faut, chef. Il y a du poisson, des crevettes. Parfait, alors. On y va. Très bien. 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 Et l'aioli? Ah, j'ai oublié l'aioli. C'est sûrement parce que tu t'es rasé la moustache. Oh. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris sur la fille? Eh bien, c'est là. Ça, c'est à la fin de ses études au collège Sainte-Thérèse, chez les religieuses de Gandoukser, là, elle a 14 ans. Ça, c'est sa première communion. Et là, c'est quelques années après, à l'inauguration d'une école pour les orphelins de la garde civile, avec son père. T'as vu? Elle porte le tricorne. Pauvre petite. Regardez, chef. Un vrai petit ange. Qui voudrait faire du mal à une telle créature? T'as rien d'un peu plus récent? Ben non, pas encore. Trouve quelque chose. Les petits anges grandissent. Tu veux un peu de vin? Allez, mange. Ce que j'ai faim, moi.
Tiens, tu vas t'occuper du Don Juan. Tu le files pendant quelques jours, de la maison au boulot. Tu connais la musique, hein? Mmh. Ah, voilà les renseignements qu'il te faut. D'accord. Vous partez, chef, vous n'avez pas fini? Je commence mon service de nourrice. Bon travail, Biscouteur. Beaucoup mieux que ton aïoli. Le gouvernement civil m'a annoncé votre visite. Je suis Anna Peña, le professeur qui a trouvé le tutu. Très heureux. C'est facile de pénétrer ici. Oh, vous savez, nous n'avons jamais eu besoin de prendre des mesures spéciales de sécurité. Il y a beaucoup d'élèves et de personnel ici. Les gens vont et viennent sans arrêt. Je vous en prie. Ils répètent le spectacle de fin d'année. La Belle au bois dormant, je suppose. La scène du baiser. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous n'avez pas une tête de détective. Et quelle tête ils ont, les détectives? Aucune idée. En fait, je n'en avais encore jamais vu. Où avez-vous trouvé le tutu? Là, sur le banc. Ce sont les costumes du spectacle. Béa est comment avec les autres? À quel point de vue? Pas de problème avec ses copines? Pas de petite jalousie? Non. Elle est tout à fait normale. Peut-être un peu genre... Genre fille de gouverneur? Il y a de ça, oui. C'est son costume. Il vous plaît? Vous le porteriez à merveille. Est-ce que vous dansez toujours? Ça m'arrive encore. Flash info. Les travailleurs de Iberina sont toujours installés dans la zone franche de Barcelone. Cela fait 32 jours qu'ils ont entamé leur grève de la faim. Le gouvernement civil leur a adressé un ultimatum, les enjoignant à mettre un terme à cette occupation illégale avant que la police ne les évacue. Qu'est-ce que tu fais? Non, après. Allez faire ça sur une autre voiture, d'accord? Lâche-le. Qu'est-ce que t'as, toi? On va pas te la rayer, ta caisse. Laisse tomber, Jordi. Vieil emmerdeur. Ciao, du con. Jump.
savez comment elle est jolie? Je te l'ai déjà dit, Charo. Elle est danseuse. Alors elle doit être excitante. Charo. Je te sens pas très emballée. C'est une affaire sans intérêt. Je sais toujours pas pourquoi on m'a engagée. Tu es payée, non? Alors pourquoi tu te casses la tête? Hier au club, j'ai rencontré un curé. Ah, beau garçon? Oh oui, très beau garçon. Et très excitant. Pépé. Quel curé? Celui des sans-abri? Oui. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il est en train de bouleverser totalement le barrio chino. Ah oui. Je ne sais pas ce que je dois faire. Il veut absolument que je fasse une sorte de conférence. Une sorte de conférence? Sur le thème santé et sexualité. Santé et sexualité? Toi? Oui. Il voudrait faire quelque chose pour aider les filles, tu comprends? Il y a le sida et elles bossent sans prendre de précautions. Oui. Côté santé, tu t'y connais mieux que personne. Et côté sexualité, alors? Oh, peut-être un peu. Charo, il faut que j'aille travailler. Me mens pas. Dis-moi la vérité, tu as envie de te la faire, oui ou non? Qui ça? La petite danseuse? C'est une gamine, Charo. Ça me donne mal au cœur. Mal au cœur? Oh, eh ben, avec ça, t'es tranquille, tu vas danser tout seul. C'est de la première qualité garantie. Je te l'ai fait à 150 pour toi. T'inquiète pas, tout le monde en prend ici, tu sais. Oh, me laisse pas tomber. Paye-moi un verre, au moins. Tenez, qu'elle prenne ce qu'elle veut. Lâche ça tout de suite! De quoi tu te mêles, toi? Dégage! Du calme, Juan, ne t'énerve pas, d'accord? C'est ma consommation perso, je vous le jure. Je dis le pas, monsieur. Allez, fous-moi le camp. Ramasse cette merde. Tiens. Allez, viens. Si tu veux pas te suivre, mon père est le chef de toute la police, tu sais. Viens, ma belle, en route. Mon petit copain, alors? Tu le verras demain. J'en ai ras-le-bol. Mon père me dit qu'il m'aime et il arrête pas d'envoyer des flics pour faire peur à mes copains. Tu parles d'un amour. Je veux retrouver mes potes. T'es sourd? Ils sont là. Ils te suivent encore. Oh, c'est Guignol? C'est toujours les mêmes. Où tu m'emmènes? Mmh.
Qu'est-ce que tu fais? Baisse-toi. Putain, toi au moins tu sais t'y prendre. Qui sont ces gars-là? Tu reconnais même pas tes collègues? Il y a toujours une bagnole comme ça qui me suit depuis que j'ai mon appart. Toi aussi tu me suivais, non? T'aimes faire ça dans une voiture? J'adore. Bonne nuit, ma belle. Essaye de faire de beaux rêves. Tu te prends pour qui, toi, pour me dire ce que j'ai à faire? Je suis majeure et je rêve à ce qui me plaît, ok? T'as de la chance. T'es qu'une pauvre tâche. Et toi, t'es un petit ange. T'es pas plus flic que je suis bonne sœur. T'es qui? Je suis un ami. Allez, dépêche-toi, va te coucher. Fais-moi confiance. Salut, connard. Bonjour le cadeau. Je vous avais prévenu, Galvez. Si je vois encore une voiture me filer, c'est terminé. On est d'accord? Carvalho, il n'est pas question que je laisse la fille du gouverneur sans aucune escorte. Vous me sous-estimez, là? Ça ne dépend pas de moi. C'est le gouverneur qui prend ce genre de décision. Bon, alors je vais aller m'adresser à lui. Restez ici! Je le verrai au plus tôt. Si vous voulez que je poursuive l'enquête, alors débarrassez-moi de ces deux anges gardiens. Dans ce cas, la petite habitera ici, au palais du gouvernement, c'est clair? Ce n'est pas le gouverneur qui prend ce genre de décision. Attendez-moi un moment, Carvalho. Un peu de fermeté, Galvez. Faites le méchant policier pour une fois. Hein? Comment ça, une issue négociée? Pas question de négocier, vous entendez? Le ministre est sur le point d'arriver et tout ce que veulent ces couillons de la zone franche, c'est se laisser mourir devant lui. Devant lui et devant les caméras de télévision. Excusez-moi, monsieur. Alors c'est à vous de voir. D'accord? Mais en tout cas, je veux que les rues soient évacuées avant l'arrivée du ministre. J'en ai marre de tous ces minables. Zone franche. Zone franche. C'est quoi? Bon, tout est résolu. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Allez chercher la petite immédiatement. C'est un ordre du gouverneur. Noble et dévoué, Galvez. Bien joué. Club gay? Exclusif, pas une femme. Je l'ai suivi deux soirs et chaque soir, il s'est rendu au même endroit. J'en connais une qui va avoir une drôle de surprise, Biscouteur. Ouais, mais le plus bizarre, c'est que les deux fois, il a disparu à l'intérieur. J'ai inspecté le club de fond en comble, il n'y a pas d'autre issue. Ouf. Ouf. Turbo, au capre et au fenouil, chef. Je crois qu'il faut que tu continues la filature. Notre chère cliente veut des preuves, tu le sais. Chef, pour la fille, je me suis trompé. C'est une catastrophe. Elle s'est fait virer de Sainte-Thérèse et toutes les boîtes de bonne sœur. Mais des ennemis, je veux dire, des vrais ennemis, ben cette tâche-là, on n'en a pas. Peut-être faut-il plutôt chercher parmi les amis, Biscouteur. Je comprends pas. On l'a pêché avec quoi, ce poisson? Ben, avec un hameçon. Qui est le gros poisson dans cette histoire? Le gouverneur. C'est une éventualité. Il ne faut jamais perdre de vue le gros poisson. Ah. T'y vas ou j'y vais? J'y vais, hein. Je me demande pourquoi il faut toujours que les gens appellent à l'heure des repas. Oui, c'est moi. Comment? D'accord, j'arrive tout de suite. Vous partez? Et mon turbo? Garde-moi une part au frigo si tu as un peu de pitié. Ils ont dû s'introduire pendant la nuit. Cette fois, on avait pris soin de fermer les portes. Ils sont allés directement à son costume. Aucun autre n'a été déplacé. C'est du sang? Non, je ne crois pas.
On dirait des lettres. T-A. Tania. Tania. J'ai fait ma petite enquête sur le père, un homme d'avenir. Pendant la dernière crise, il a tout fait pour être ministre, mais... Son avenir ne m'intéresse pas, Biscouteur. Quel est son passé? Vous voulez que je vous dise tous les postes politiques qu'il a occupés pendant la démocratie? Je les ai notés aussi, hein. Non. Je voudrais que tu me parles d'avant la démocratie. Ah ben ça, c'est autre chose. Allez, il était pour ou contre le franquisme? Contre. Il est passé devant le juge à cause de ça. Pour quelle raison? Manifestation? Propagande illégale? Non, vol à main armée, recel d'armes et d'explosifs, terrorisme. Ouverture du procès de la cellule terroriste de Barcelone. Je crois qu'une petite conversation s'impose, Biscouteur. Avec le gros poisson? Oui, avec le gros poisson. Comment ça, vous n'avez pas avancé? Aucune piste? Ils entrent quand ils veulent dans les vestiaires, ils vont écrire des menaces contre ma fille dans une discothèque et vous ne bougez pas. Il m'est venu une idée. Ces menaces ne sont pas obligatoirement destinées à votre fille. Elles pourraient très bien vous concerner. Expliquez-vous, Carvalho. Mourir vain peut signifier que quelqu'un compte faire du mal à votre fille dès qu'elle aura fêté ses 20 ans. Mais cela pourrait également signifier autre chose. Il y a 20 ans, par exemple, vous avez été jugé. Je ne vois pas le rapport. Il y a 20 ans, je luttais pour le bien de mon pays, pour lui offrir la liberté. Et vous aussi, c'est pour ça que je vous ai engagé. Je connais votre dossier. Vous avez été jugé comme terroriste. Ça change beaucoup de choses. Mais ils m'ont acquitté. Mon seul délit était d'avoir prêté une mansarde à cette bande de cinglés. Rien d'autre. Celle que Bay occupe maintenant? Ils en avaient fait un véritable arsenal. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'ils fabriquaient. Oui. Tania, ça ne vous dit rien? C'était un surnom très à la mode à l'époque. La compagne du Che, en Bolivie. Alors ça me dépasse. Il y a une bande de salauds qui menacent ma fille et vous regrettez le bon vieux temps. Ce n'était qu'une hypothèse un peu absurde, je vous l'accorde. C'est aussi absurde que de se mettre à parler de lutte antiterroriste dans votre bureau. Ça va, ne m'emmerdez pas, Carvalho. Je veux des résultats. Vous en aurez. Bonsoir. Ils font la cuisine à tour de rôle, ça marche. On s'efforce de proposer une bonne cuisine familiale, dans la mesure de nos moyens, bien évidemment. Paris. Oui, pardon. Je ne suis pas sûre, mon père. En fait, je me sens très mal à l'aise. Oh, calmez-vous, Charo. Je suis sûre que tout se passera très bien, vous verrez. Si elles obligent leurs clients à mettre des préservatifs, on aura fait quelque chose d'utile. Oh, je ne sais pas si je dois le faire. Oh, allons, vous n'allez pas reculer maintenant. Ce qui me gêne, mon père, c'est que la vie que je mène n'est pas très exemplaire. Mais justement, c'est pour ça. C'est parce que vous menez cette vie-là qu'il faut que vous leur parliez. Ben, c'est vrai qu'il n'est pas mauvais, ce bouillon. Et ici, on peut rencontrer des gens de toutes les couches sociales. Eh ben, c'est une bande de crève-lèvres, hein. Tu peux me croire, mon vieux. Si tu voyais toutes les saloperies qui planquent dans leurs armoires... Mais comment ça se fait que tu sais ce qu'ils planquent dans leurs armoires, toi? Tout ce que j'ai pu leur piquer, c'est une canette vide et un briquet tout pourri. Alors là, on n'a plus rien à se dire. Moi, je bouffe pas avec un enfoiré. Alors, on peut avoir un peu de rab, ma belle. Eh ben, qu'est-ce que t'as? C'est ma tête qui te revient pas ou quoi? C'est pas ça, je... Non, non, non. On l'appelle la déglinguée. Elle est complètement fêlée. L'autre jour, j'ai visité son armoire. C'est une vraie poubelle, mon pauvre vieux. Pleine de bouts de fil de fer et de vieux trucs bouffés au mythe. Je vais vous présenter. Venez. Écoutez-moi un instant, s'il vous plaît. Je voudrais vous présenter Charo. Bonsoir à tous. Charo se propose de vous faire un petit exposé extrêmement intéressant à propos de la santé et de la sexualité. Bien entendu, cet exposé s'adresse surtout aux nombreuses femmes qui sont ici. Je voudrais juste aborder plusieurs détails et vous donner quelques conseils pour vous aider à éliminer un maximum de risques. Mais même entre nous, comment vous faites, merci. T'as fait la Légion, tu roules des mécaniques et à peine tu vois une gonzesse qui annonce que tu te planques, chut, ta gueule du con! Vous avez vu celle-là, chef? Tout le portrait de Kim Basinger? Une descente de police? J'ai juste eu le temps de mettre les voiles. Est-ce qu'ils ont embarqué notre homme? Vous allez pas me croire, chef,
mais je l'ai perdu. C'est un mystère. Il entre au club, il disparaît. Faut pas non plus que ça t'obsède, Biscouteur. Bah. Ils ont tous été relâchés une heure après. C'était juste une vérification d'identité. Comprenez, c'est pour une affaire de famille. Nous aimerions savoir si son beau-frère était dans ce club gay. Ils ont tous été fichés, mais il faut que vous alliez aux archives. Aux archives? Bien. Bon, alors on va aller aux archives. Merci beaucoup. Merci. Nos archives sont confidentielles. On ne peut les consulter que sous mandat judiciaire. Sauf pour les préconstitutionnels. Les préconstitutionnels? Toutes celles d'avant 78, c'est une nouvelle loi. Les personnes qui pensent avoir subi des préjudices de la part du régime franquiste peuvent consulter les archives pour voir s'ils n'ont pas été fichés. Nous avons justement subi des préjudices de la part du régime précédent, n'est-ce pas, Biscouteur? Ah, le sacré préjudice, chef. Et pour vraiment pas grand-chose, vous vous rendez compte? Juste pour avoir chauffé une ou deux malheureuses bagnoles, moi je trouve vraiment ça... Veuillez remplir ces formulaires, s'il vous plaît. Je vous remercie. J'y comprends rien, chef. La descente était il y a 2 jours et vous cherchez dans des trucs qui remontent à 20 ans. Le procès du gouverneur, Biscouteur. Tu te souviens de la date exacte? Oh, j'avais même encore la coupure de presse. C'est une chance, j'aurais pu l'avoir jetée. Mai 74. C'est ici. Ça y est, je l'ai. Putain, c'est pas vrai. Regarde. Alors, fouille merde, qui t'a permis de mettre ton nez là-dedans, hein? La loi, commissaire. La loi? Procès numéro 1012 de 74. Dis donc, si ma mémoire est bonne, ce procès te concernait pas du tout. Non, pas moi, commissaire. Hein? Alors, t'as pas le droit de le consulter. La loi nous interdit de montrer ces dossiers à qui que ce soit d'autre que l'intéressé. Vu l'importance de l'affaire, c'est vous qui avez dû vous en occuper, je suppose, non? Pas directement, mais je me souviens de certaines choses. C'est un procès qui a fait beaucoup de bruit, le 1012. On y a vu défiler des noms illustres, des enfants gâtés qui jouaient les Che Guevara en attaquant des banques, tu vois le genre? Je vois, des fils à papa. Ouais, des fils à papa. Il y avait aussi une petite aristocrate, la fille du comte de Sinarkas, un homme très proche du pouvoir, un allié du régime. Enfin bref, tout ça c'est du passé. Vous savez ce qu'est devenue la petite comtesse? Elle n'a jamais voulu collaborer. Et je sais que les interrogatoires ont été très musclés. Une histoire d'argent volé à la Banque Nationale. Ils n'ont jamais rien retrouvé. Carvalho, t'es quand même pas en train d'enquêter là-dessus? Pour l'argent, t'arrives un peu tard, non? De toute façon, cette histoire a eu un procès officiel. La conclusion a été qu'ils avaient dépensé le pognon pour monter leurs attentats et leur campagne anti-espagnole. Qui est l'imbécile qui t'a engagé? Un imbécile vraiment très illustre, commissaire. Ah ouais? Alors tu devrais dire à ton imbécile de venir voir ton dossier politique, ça vaut le coup d'œil, non? Tu vois ton passé, là? 1973. Subversion à l'université. Bah, j'ai bien peur qu'il soit déjà au courant de tout ça. Cet imbécile, c'est notre cher gouverneur. Bon, eh bien, le gouverneur gouverne, ça le regarde, mais il a rien à foutre chez moi ici, c'est moi le patron. Archiviste! Ça, tu l'auras pas. Tenez, mettez-moi ça sous clé. T'as tout ce qu'il faut, Biscouteur. Ouais, bien. Sauriez-vous où se trouve l'année 73, mademoiselle? Merci. 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 Inutile, vous savez, il est de plus en plus sourd. Nous avons perdu l'habitude de recevoir des visiteurs. Ça fait longtemps que plus personne ne vient. C'est vrai que je n'aère pas très souvent. En fait, personne n'a dormi dans cette chambre depuis son arrestation. En 77, il y a eu une amnistie. Elle n'est pas revenue? Plus jamais. Le père et la fille se sont brouillés définitivement. Rendez-vous compte, lui, directeur de la Banque industrielle de développement, et elle qui choisit le camp des communistes. Oui, je comprends.
Encore aujourd'hui, il n'a jamais cessé de l'aimer. Monsieur le comte a dépensé une fortune pour la retrouver. Il a harcelé ses amis militaires à les rendre fous. Il est même allé jusqu'en Argentine. En Argentine? Sa fille vivait là-bas? Elle y vivait et elle n'y vivait pas. Elle faisait partie des disparus? Oui. Il m'appelle, c'est l'heure de sa collation. Vous savez, du jour où sa fille a été arrêtée, il a cessé de lui parler. Mais depuis le jour où elle a disparu, il n'a plus jamais parlé à personne. Vous connaissez cet homme? C'est le gouverneur de Barcelone, non? Imaginez-le avec 20 ans de moins. Aurait-il pu être l'un des amis de Lucia? Oh, je ne pourrais pas vous dire. Excusez-moi. Voulez-vous un thé? Avec plaisir. Rien ne vaut la peine de mourir en beauté. Lucia Inés de Carvajal de Los Infantes y Saint de la Gandora. Née à Barcelone le 21 janvier 1954, étudiante à l'université en seconde année de droit. Aucun antécédent avant la procédure numéro 1112-74. Terrorisme, vol à main armée, recel d'explosifs, accusée mineure au moment des faits, condamnée à 8 ans de prison ferme. Fille de son Excellence, Monsieur le Comte de Sinarcas et Marquis de Fos. Et nièce de son Excellence, Monsieur le Général de Corps d'Armée, Delicado Marcial. D'après le journal ABC, la banque avait chiffré le montant du vol à 50 millions de l'époque. Même aujourd'hui, ça fait une somme. Aujourd'hui, ce n'est rien, Biscouter. Cette monnaie n'a plus cours à l'heure actuelle. Il aurait mieux valu qu'il vole de l'or. Ou des bijoux. Ou des bijoux. Son pseudo n'apparaît pas sur cette fiche. Vous vous souvenez, chef? Quand on s'est connus à la prison de Rila, putain. Il y a 20 ans. Son pseudo était peut-être Tania. Je sais pas. Sa gouvernante m'a appris qu'elle avait été portée disparue en Argentine. Si ça se trouve, elle est morte. Mais les morts n'envoient pas de menaces. Clemente Vidalurbo, alias Camarade Camilo. Née à Barcelone le 10 juin 1954. Procès envoyé sur juridiction spéciale. Ni photo, ni info. On a déterré une grosse bombe, là. Je vérifierai. La fiche du gouverneur n'est pas là. Logique, il aurait quitté. Bon, moi je meurs de faim. Et je pense au turbo qui va se perdre, alors on y va. Je ne peux pas, Biscouter, j'ai à dîner ce soir. Où? Chez moi. Je veux que tu me dises qui tu es et que tu m'expliques aussi pourquoi tu penses qu'à me pourrir l'existence. Pourquoi on m'a bouclé à la résidence? Je sais que c'est une idée à toi. J'hallucine quand je te vois, tu sais. Un flic qui fait la cuisine, c'est quelque chose. T'as vu ça dans quel film? J'aime faire la cuisine. Est-ce que tu sais que nous sommes ce que nous mangeons? Moi qui sais même pas faire cuire un œuf. T'as pas une assistante qui fait à manger? C'est pas la joie, on dirait. Moi, faut pas que je mange trop. Des salades, des fruits, des yaourts. Des trucs pour danser. Oui. J'ai froid. Ça m'étonne pas. Chez toi, c'est glacial. Tu sais faire partir un feu de bois? Bien sûr. Va dans la bibliothèque. Tu prends un des bouquins. Pour allumer? Celui que tu aimes le moins. Allô? Oui? La petite est ici.
Comme vous voulez. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un feu. Les livres se brûlent un par un, comme ils se lisent. Celui-là? Vas-y, allume. T'es vraiment pas net, toi. Mais tu vaux le détour. Tu brûles tes bouquins, tu fais la cuisine, t'as pas de nana, et bien sûr, t'as pas de gosse. Dis donc, tu m'avais dit que t'étais pas un flic. Je suis pas un flic, je suis détective privé. Fais attention avec ce truc, c'est pas un jouet. C'est toi qui dois faire attention. Je sais parfaitement me servir d'une arme. N'oublie pas que j'ai grandi au milieu des flics. Puis d'abord, enlève ce putain de tablier, t'as l'air débile. Allez, je veux tout savoir. Dis-moi pourquoi tu me suis partout. Et pourquoi mon père a engagé un détective privé. Bah quoi, t'as pas la trouille? Il est pas chargé. Merde. Il est trop nul, ce mec. C'est la première fois que je me trouve seule avec un mec qui pense qu'à s'occuper de ses casseroles au lieu de me sauter, alors ça me fait drôle. Un dîner pour deux? T'attends quelqu'un? À ton avis. Ta fiancée? Bon, tu t'es pas fait une mauvaise opinion de moi, au moins, non? Plutôt de tes parents. Tu es trop gâté. Ce qu'il te faudrait, c'est une bonne fessée de temps en temps. Embrasse-moi. Ça pique pas, c'est pour faire joli. Et faire disjoncter les mecs. Embrasse-moi. Encore. Encore. T'en vas pas. Encore un autre. Il faudrait être plus ponctuel que ça, Galvez. Une petite minute de plus et je ne vous ouvrai pas. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas comment elle a pu s'enfuir. Entrez. Qu'est-ce que tu fais là, Galvez? Je viens te chercher. Tu as un vêtement? Sur le porte-manteau. Oh, bonsoir. Je suis désolée, je suis un peu en retard. Tu es vraiment magnifique. Béatrice, qu'est-ce que tu fais là? La même chose que toi. J'espère que je n'ai rien raté d'intéressant. Je t'en prie. Allons-y, Béatrice. À bientôt. À bientôt. Oh, mes amitiés au gouverneur. Permet. Par ici. Merci. Ça te dérange si je fume? Pas du tout. C'est une fille attachante. Elle ne mérite pas d'être enfermée à la résidence. Ça doit être traumatisant de grandir parmi les flics. Est-ce que tu as découvert qui est l'auteur de ces menaces? Non, pas encore. Il paraît que je m'égare dans le passé. Qui a dit ça? Le gouverneur civil. Je me demande combien de femmes se sont assises à cette table et ont eu le plaisir d'apprécier ta cuisine, à la lueur des bougies. Oh, pas tant que ça, tu sais. La plupart du temps, je dîne tout seul. Et au petit déjeuner? Les petits déjeuners sont plus compromettants que les dîners. Certainement.
Bon. Je te remercie de ton invitation. C'était une soirée vraiment très agréable, mais je dois partir. De si bonne heure? Tu vois, je pense que si je reste, on va coucher ensemble. Ça ne serait pas une si mauvaise idée. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit, les filles. Pépé. Ça va comme tu veux, l'Andalouse? N'en parle pas, il n'y a pas un chat ce soir. Ben dis donc. Ça va, Malou? Ben, on peut pas dire que ça se bouscule. Comment vont les affaires, Charo? Une vraie catastrophe, comme dans tout le quartier. Mais on a vu pire, non? Et toi, ta soirée? Bonne. Ah? Juste bonne, bon. C'est assez drôle. Biscuiteur m'a dit que tu avais quelqu'un à dîner chez toi ce soir. Quelqu'un? Est-ce que c'est une devinette? Non. Quelqu'un avec un prénom féminin et une paire de seins. Tiens, un peu comme elle, mais en plus jeune et en moins vulgaire, tu vois? C'est quoi, ça? Che Guevara. Oui, ça, je sais. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Change pas de conversation, Pépé. Lui, c'était un homme, un vrai de vrai. Et il était courageux, c'était pas un dégonflé comme toi. Il détonne un peu ici. Où t'as trouvé ça? Au Resto du Cœur. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'arrête pas de tomber sur le Che. Tu peux toujours essayer de demander au curé. Je le vois demain pour la conférence. Au curé? Oublie ça, Charo. Moi, les curés, ça me donne de l'urticaire. Et tes Lolita, elle t'en donne? Ah non, je supporte assez bien. Parfait. Alors cette nuit, tu dormiras tout seul. Tu vas bien m'offrir ce verre, au moins. Non, aujourd'hui, tu payes. D'accord. Merci. Salut, ma belle. Salut, toi. Ils sont là-dedans? Oui, vas-y. Dis-moi, comment elles te traitent, toi, les femmes, Bromur? Les femmes? Tu sais bien que dans ma vie, il n'existe qu'une seule femme. Et je vois laquelle? Ton éternel fiancé, n'est-ce pas? La solitude. Tiens, prends ça. Le pignon. Fais gaffe en entrant chez toi. Il y a du beau monde là-haut. Je sais vraiment pas si je dois te conseiller de monter ou de te tirer. Je te remercie. Je vous en prie, gouverneur. Faites comme chez vous. Ne vous gênez pas, mettez-vous à l'aise. Le whisky est dans le deuxième tiroir à votre droite. Tiens, biscuiteur. Une toute petite question, Carvalho. Qu'est-ce que vous avez contre moi? Je ne vous plais pas pour des raisons personnelles ou seulement parce que je suis le gouverneur? Ces documents ne vous compromettent pas. Votre nom n'y figure pas. Et alors? Nous étions convenus que la seule chose importante était la sécurité de ma fille. C'est pour ça que je vous paie. Et non pour fourrer votre nez partout, juste dans le but de remuer le passé. Vous ne dites rien? Vous savez... voler les fichiers de la police, c'est vraiment quelque chose de très grave. Enfin, votre enquête est terminée. Fini. Vous m'avez beaucoup déçu, Carvalho. Ah, et merci de nous avoir dit où se trouvait ma fille. Calvez, allons-y. C'est un chèque pour solde de tout compte. La somme est pas mal.
Mmh. Vous en faites pas, chef. Les affaires, c'est pas ce qui manque. Il nous en reste une. Oui, celle du mari qui disparaît. Hein. Tiens, le voilà, notre homme. Oh, c'est pas croyable ce qu'il se ressemble, hein. Comme deux gouttes d'eau, oui. Dis-moi, les photocopies, où est-ce que tu les avais rangées? Dans le deuxième tiroir. Juridiction spéciale. D'accord. Comment tu te souviens pas? Ah, mais ces choses-là ne s'oublient pas, voyons. Bien. Laquelle pourrait essayer de me raconter en détail comment s'est déroulée sa dernière expérience sexuelle qui lui a semblé satisfaisante? Oh, personne. Alors vous n'avez eu que des expériences décevantes? Si vous ne voulez pas y mettre un peu du vôtre, on n'avancera pas tellement, vous savez. Ne soyez pas timide, il n'y a pas d'homme ici, on peut se parler librement. Silence là-dedans! Tant que j'ai pas pris votre déposition, je veux pas entendre une mouche voler. Et avec moi, ça rigole pas. Je peux tout vous emballer si je veux. Et je peux aussi faire fermer cette tôle. Mais non, mon père, je le ferai pas. C'est pour la faire peur au cas où elle déconnerait. C'est la routine, on fait toujours comme ça. Est-ce que je me mêle de vos messes, moi? Chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Gloria, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Une plaie contuse à l'omoplate droite provoquée par un objet pointu avec une trajectoire oblique et longitudinale. Coup de couteau en plein cœur, ayant entraîné la mort de la victime. Oui, 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 ça je le sais qu'il est mort, je le sais. Le défunt logé ici? Parfois, oui. Vous savez, ici, les gens vont et viennent à leur guise. Bon, alors on va consulter vos registres. Je n'ai pas de registre, monsieur. Comment ça, vous n'avez pas de registre? C'est la loi, vous savez. Oh, mais si on prenait leur nom, ils ne viendraient pas. Bon, eh bien, c'est une bagarre de clochards, tout ce qu'il y a de plus banal. Alors qu'on va pas passer des heures là-dessus, hein? Vous avez déjà écarté l'hypothèse de l'extrême droite, cher commissaire? Toutes ces bandes de crânes rasés qui considèrent les sans-abri comme des parasites. Qu'est-ce que tu fous là, vautour? Tu sens la charogne, alors tu te pointes. N'essayez pas de me mettre ce mort sur le dos. Je suis venu chercher mon ami. Tu peux pas savoir comme j'ai eu peur quand je l'ai découvert, Pépé. C'était horrible. Alors tu voles dans les archives. Je me suis fait passer un sacré savon à cause de toi. Je vais vous foutre en tôle tous les deux. Vous ne pouvez pas prendre la déposition de ces dames sans la présence de leurs avocats, voyons. Je veux un avocat. Oui, moi aussi. Assez, taisez-vous. Tire-toi d'ici avant que je fasse une grosse connerie. Très bien. Je peux les accompagner? Oui, allez-y, allez-y, mon père. Et je vais te dire une chose. Il n'y a pas si longtemps, quand ce que tu appelles l'extrême droite gouvernait encore l'Espagne, le plus minable des clodos vivait en paix. Eh, qu'est-ce que tu fous là, toi? Et toutes ces études, toutes ces années de travail, toute cette préparation, alors? Ça, c'est un cadavre, monsieur. Vous êtes ici depuis longtemps? Un peu moins d'un an. Vous venez de loin? Oui. D'Argentine. Et du Chili. Bolivie? J'étais coopérant là-bas. Vous êtes très curieux, vous posez presque autant de questions que la police. Je suis détective. Je me demande comment je vais pouvoir leur expliquer ça. Enfin, ça va? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il n'y aura pas de repas, c'est fermé. Essayez de voir dans un autre foyer, je suis désolé. Vous voyez, toutes les grandes nécessités humaines, la faim est de loin la plus terrible. Charo a besoin de repos. Ce genre de choc est très éprouvant. Ne vous inquiétez pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Charo. Heureusement que tu es venu, tu sais, Pépé. J'étais bouleversée. Le pauvre, il était couvert de sang. Vous ne pouvez pas entrer. C'est fini. Je te raccompagne chez toi. Vous pourrez revenir. Essayez la rue de Calabre. Ça va aller, ma chérie. Taxi. Tu as dans la main. Qu'est-ce que c'est? Ça, j'en sais rien du tout. Je l'ai trouvé à côté de lui, je l'ai pris. Qu'est-ce que ça peut être?
ça que vous m'avez appelé? Vous pouvez les remettre à ma femme, moi, ça ne me dérange pas. Comme vous voulez. J'en ai marre de faire semblant. Vivre avec elle, c'est pire que l'enfer. Je ne demande qu'à me séparer d'elle, mais... seulement... Mais seulement? Comme ça, ça me contrarie. Si elle découvre mon secret, ce sera un triomphe pour elle. Je la vois d'ici. Après tant d'années de mariage, mon mari est devenu travesti. Ça serait un cadeau. Tout ce que je peux faire pour vous, c'est abandonner l'affaire, si vous me le demandez. Pourquoi faire? Je vous l'ai dit, je veux qu'on se sépare. Et je vous comprends très bien. Vous aimeriez qu'on vous surprenne dans un, comment dire, un adultère un peu plus conventionnel? C'est bien ça? C'est bien ça. Mener une double vie, c'est pas facile. Être l'une pendant la nuit et l'un dans la journée. Je voudrais changer, seulement j'y arrive pas. Pour moi, c'est bien comme ça. Et de plus, c'est ce que demande ma cliente. Que l'on vous surprenne avec une femme. Mais avec laquelle? Moi, j'ai jamais couché avec une autre que la mienne. Ne vous en faites pas, Don Antonio. On arrangera ça pour vous. Laissez-nous faire, on s'occupe de tout. Merci. Allez, Don Antonio. Biscuiter, raccompagne Don Antonio. Ouais. Merci encore. J'ai fini par savoir pourquoi l'affiche était vierge, chef. Ah oui? Ouais. C'est écrit juridiction spéciale. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Que ce type était un prêtre, avec ses privilèges, ses propres tribunaux, ses propres prisons. Mais le plus drôle, c'est que selon l'archevêché, il est toujours curé dans une paroisse près d'ici. Tiens, tiens. Vous en pensez quoi, chef? Que le Vatican est sûrement très grand, Biscuiter. Ouais. Mais que le monde sera toujours petit. Ouais. Bonsoir, Père Clemente. Ça va? Ou dois-je vous appeler camarade Camillo? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? Bavarder avec vous. Je vous apporte votre fiche de police. J'ai fait la prison pour ça, j'ai payé. Maintenant, je n'ai plus rien à cacher. C'est une vieille histoire. Une très longue histoire. Alors, abrégeons, si vous voulez bien. Parlez-moi de Tania. La fille du comte de Sinarkas. Tania était son nom de guerre. Comment savez-vous ça? Je n'en étais pas sûr, je m'en doutais. Mais vous venez juste de me le confirmer. Ce que vous me racontez me semble sortir tout droit d'un film. Une femme qui ressurgirait du passé pour envoyer des sortes de messages codés. Vous avez écarté d'emblée la possibilité qu'elle soit morte? Non. Mais n'importe lequel de ses anciens camarades pourrait tout à fait utiliser son nom. Y compris vous-même. Moi, me servir de Tania. Pourquoi? Au départ, il y a ce braquage, une somme très importante. Et maintenant, quelqu'un vient remuer cette histoire en laissant des pistes. Mais je ne sais pas encore pourquoi. Je crois que vous travaillez pour le gouverneur, demandez-le lui. Je l'ai déjà fait. Il dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Moi, je pourrais vous raconter une autre version. Et dans la mienne, c'est lui qui a eu cette idée. Quelle idée? Celle du braquage? Nous pensions que le moment était venu d'en finir avec les théories et de passer à l'action. Et que nous ne pouvions plus continuer à faire le jeu de la dictature. Continuer à faire le jeu de la dictature. Le moment est venu d'en finir avec les théories et de passer à l'action. Ce que tu veux faire, c'est très grave. Je sais pas si t'en es conscient. Ce que je veux faire, c'est être cohérent. Frapper le fascisme une bonne fois pour toutes. Tania. T'es avec moi, oui ou non, Tania? Vous êtes devenu fou? Cambrioler une banque, c'est un acte de vulgaire délinquant, pas un acte révolutionnaire. La bourgeoisie est notre ennemi. Et voler ceux qui nous exploitent, ce n'est pas du vol. Pour ça, il faudrait qu'on trouve des armes. Et tu sais que c'est pas facile. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Je sais comment faire.
J'ai des contacts. Laissez-le. Qu'est-ce qu'il y a, Carvalho? J'ai vu juste, n'est-ce pas? Fichez le camp. Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous n'avez pas de scrupule à mettre votre fille en danger pourvu qu'on ne fouille pas dans votre passé, hein? Pourquoi? Cette affaire ne vous concerne plus. Vous n'avez plus aucune raison de vous poser des questions. Même pas sur Tania. Taisez-vous. Ce n'est pas le moment. On m'attend pour un dîner officiel avec le Premier ministre. Venez demain à mon bureau si vous voulez me parler de ça. Je n'aime pas être mené en bateau par mes clients. La vie est injuste. Vous volez une banque, vos amis vont tous en taule, et vous qui êtes le chef, vous commencez une brillante et longue carrière en politique. Ce n'est pas vrai. D'où tenez-vous ça? Peu importe. Tania a des motifs suffisants pour vouloir se venger. Tania? Tania est morte en Argentine, j'ai vérifié. Vous en êtes certain? Le corps n'a jamais été retrouvé. Pas plus que l'argent, d'ailleurs. Il a réellement servi à lutter contre le franquisme ou vous l'avez gardé? Comment osez-vous me calomnier ainsi? Vous êtes devenu fou? José, nous sommes en retard. Allez, un peu de courage, votre femme est là. Racontez-lui tout. Expliquez-lui qui était Tania et quels sont les vieux comptes qui restent à régler entre vous. Crachez la vérité, ça soulage. Même si ça ne change pas le passé. Amusez-vous bien à votre dîner. T'avais raison. C'était facile. Tu sors le flingue et tout le monde gît dans son froc. En plus, il n'y avait même pas de garde civile. Il y a des bourgeoises qui vont pas savoir quoi se mettre autour du cou pour aller à l'opéra. Ma mère avait un collier comme celui-là. Peut-être que c'est le sien, presque sûr. Mon père est actionnaire de cette banque, alors si ça se trouve, il avait un coffre. C'est quand même dingue. C'est ma propre famille qu'on vient de voler. Cet argent n'appartient à personne. Et ces bijoux non plus. Ce ne sont que des munitions pour la lutte révolutionnaire. Tout? Tout. Les comités de soutien aux prisonniers ont besoin de fonds. Regarde. Déconne pas, Tania. Il faut rester prudent. La police va passer Barcelone au peigne fin. Tant qu'on n'a pas trouvé un endroit sûr pour cacher cet argent, on ne doit surtout pas se faire remarquer. Que t'a dit Carvalho? Il a découvert quelque chose? Non, rien, ne t'inquiète pas. Béa est en sécurité à la résidence. Salut! Qu'est-ce que tu as? Tu dors pas? Non. Moi non plus, j'y arrive pas. Dès que je ferme les yeux, je le vois. Étendu par terre avec son regard fixe. C'est le premier mort que tu vois, Charo. Je me souviens que quand j'étais petite, j'ai vu mon grand-père. J'avais 11 ans et on m'avait obligée à venir à la veillée. Mais lui, il est mort paisiblement. Pas comme ce pauvre homme à coups de poignard. C'est à cause de ton affaire que t'arrives pas à dormir, toi. Demain, c'est l'anniversaire de la petite. Mais si ton client t'a dit de ne plus t'en occuper, pourquoi tu y penses encore? J'en sais rien, Charlot. Ils mentent tous. Le curé, le gouverneur. Ce qu'il cache est important. Pourquoi tu t'accroches comme ça? Je sais pas. Je crois que c'est pour la fille que tu t'accroches. Oh, recommence pas, Charo. Mais non, si c'est pour elle, je trouve que tu as raison. Bon, elle est nymphomane. Mais si elle est vraiment en danger, il faut que tu fasses quelque chose pour elle. Viens.
Qu'est-ce que c'est, ce paquet? J'ignore. Il n'y a pas de nom d'expéditeur. Ouvrez-le. Regardez. Qui peut vous envoyer ça? C'est tout ce que j'ai emporté. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Moi, je suis avec toi. Et nos camarades te soutiennent. Je me fiche complètement de l'argent, de mes parents, de mes camarades, de tout. Tu sais bien que je fais ça pour toi. Et si tu me quittais, je te quitterai jamais, Tania. Tu me le jures? Je te le jure. Je te prends à témoin. José, Béa n'est pas là. Elle n'a pas dormi ici cette nuit. Geronimo. Salut, Pépé. Comment ça va? J'ai regardé ton truc, là. J'en connais un rayon, mais tu peux pas savoir le mal que j'ai eu à trouver ce que c'était. C'est presque une pièce de musée, ton truc. Ça fait une paye qu'on n'utilise plus ce genre de mécanisme. Ce que tu m'as apporté, c'est un élément d'un système d'horlogerie de fabrication plutôt artisanale. Ça, c'est la pièce qui devait aller avec. Il n'y a plus qu'à assembler les deux. Et c'est prêt. Mais c'est prêt à quoi? Prêt à déclencher l'explosif, biscuiteur. À quel dieu s'adresse votre prière, mon père? Celui de la justice ou celui de la vengeance? Les deux figurent dans la Bible. Si Tania est morte et que vous avez abandonné la lutte armée, qui aurait pu cacher un détonateur dans votre foyer d'accueil? Le clochard piquait dans les armoires et sans le vouloir, il a découvert l'arsenal. Vous l'avez tué? Non. Pas moi. Alors c'est Tania? Elle est vivante, n'est-ce pas? Elle est ici à Barcelone? Je ne suis plus sur cette affaire, mon père. Je ferai tout pour empêcher un massacre inutile. Pourquoi le gouverneur a-t-il été libéré? Pourquoi n'a-t-il pas fini comme les autres en prison? C'était pas ce qu'on avait prévu, mon petit gars. Où tu vas? Ici. Comment ça se passe? Mal. Fais-le entrer. Cet argent. Le gouverneur était leur moyen de pression. Et Tania a été torturée sauvagement. Oui. Ils ont dit qu'elle s'était jetée par la fenêtre. Elle était totalement défigurée. Elle n'a jamais parlé? Non. Je ne crois pas, non. Elle avait caché une partie du butin. N'est-ce pas, mon père? À l'époque, je ne le savais pas. Et en Argentine, on n'a pas eu le temps de se dire beaucoup de choses. J'étais dans l'action sociale. J'étais sincèrement attaché à la non-violence. Je voulais oublier toute cette folie. Et puis un jour, elle a disparu. Jusqu'à l'année dernière. Où était-elle pendant tout ce temps? Au Nicaragua, au Salvador. Elle m'a dit qu'elle avait fait la guérilla. Et que pour elle, ce n'était pas fini. Elle continuait la lutte. Mais elle avait besoin de fonds. Oui, et ces fonds se trouvaient en Espagne. Vous êtes revenu pour ça? Oui. Tous ces bijoux dormaient dans leur cachette, ils ne servaient à rien. Et moi, je savais qu'avec tout ça, je pouvais aider les plus démunis. Dites-moi, mon père, quel âge avait Tania quand elle a été arrêtée? Elle était la plus jeune du groupe. Je pense qu'elle n'avait pas plus de 20 ans. Le gouverneur a détruit sa vie quand elle avait 20 ans. Mourir 20. Où est-elle maintenant? Je n'en sais rien. C'est la vérité. Quand j'ai su qu'elle avait tué cet homme, je lui ai ordonné de partir. Mais j'ai commis une erreur. Pour Tania, l'argent n'a aucune importance. Même la révolution n'est rien pour elle. Elle est obsédée. C'est une femme qui ne vit que pour une seule chose. Se venger de son ancien amant. Bonjour, Ricardo. Oh, bonjour, monsieur. Vous savez si ma fille est chez elle?
Non, ça fait maintenant plusieurs jours que je n'ai pas vu mademoiselle. Mais je vais voir si sa clé est dans ma loge. C'est curieux, la clé n'est pas là. Galvez, attendez-moi là, voulez-vous? Je voudrais parler au gouverneur. Pepe Carvalho. Oui? Il est absent. Pia, on s'inquiétait beaucoup pour toi. Je vois que tu as bien reçu mes messages. Qu'est-ce que tu lui as fait? Dis-moi où est Béa. Je suis venue seule. C'est ta fille, mais elle ne veut pas vivre avec toi. Elle te trouve aussi répugnant que mon visage. Oui? Qu'est-ce que vous voulez, Carvalho? Non, le gouverneur est là-haut avec sa fille. Oui, dans son appartement, oui. Sa vie est en danger. Non, arrêtez un peu, mon vieux. Au fait, je crois me souvenir que vous avez été viré. Je lui ai raconté ce que tu m'as fait. Viens là. Tania, tu es folle, mais ça ne tient pas debout. Il faut oublier le passé. Moi, je l'oublie pas. Bon, si c'est de l'argent que tu veux... De l'argent. Il en reste encore. Tu te rappelles? Regarde, il y a presque tout. Non, c'est à toi, si tu veux. À nous deux. Tu peux t'en aller. Je n'ai rien contre toi. Comme tu es belle. Ouvre-la. Ne fais pas de bêtises. Tout le quartier est plein de policiers. Tu n'as pas compris, alors. Je suis revenue pour vivre avec toi. Ouvre-la. Je t'en prie. Il l'a cherché.
Le divorce va à l'encontre de mes principes, mais j'obtiendrai l'autorisation de l'Église. Ah. Il n'est pas là, Monsieur Carvalho? Non. Il m'a chargé de m'occuper de vous, il avait affaire. Voilà, tenez. Me tromper avec ça. Quelle vulgarité. Ils arrivent. Qui ça? Les policiers. Je suppose que vous m'avez dénoncé. Ne vous méprenez pas sur moi, mon père. Je vous l'ai dit, je voulais éviter de morts inutiles. Je ne suis pas de ceux qui croient en un dieu de la vengeance. Et encore moins en un dieu de la mort. Vous le savez très bien, monsieur Carvalho. Sans mon aide, elle n'aurait... Pourquoi irais-je vous dénoncer? Je n'ai plus de clients. Je l'ai perdu. Et plus de coupables à découvrir. Ils sont morts tous les deux. Pépé, qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? Je viens de faire mon premier cours, puisque l'autre jour, il avait été annulé. Oui, je sais, Charlo. Je suis venu te chercher. Un premier jour de classe, ça se fait toujours. Je t'invite à déjeuner. C'est gentil. Oh, mon père. Merci pour tout. Merci à vous, Charo. Tout le monde parle du bon travail que vous faites dans le quartier, bravo. Ah, nous faisons ce que nous pouvons. Alors, au revoir. Et nous, on se voit la semaine prochaine. Je compte sur vous. C'était quoi, tous ces compliments? Je croyais que t'aimais pas les curés. J'aime toujours pas les curés, Charo. Mais lui, c'est un peu ton patron, maintenant. Tu m'emmènes où? Chez Leopoldo, mon cœur. Qu'est-ce que tu en dis? Waouh, formidable. Une délicieuse assiette d'huîtres chaudes et une bonne petite friture. Bien, et comme dessert? Je sais pas encore, je verrai. Comment ça s'est passé, ton exposé? Bien, tu peux pas savoir comme j'avais le trac. Et tes étudiantes? On a pratiquement pas arrêté de se raconter des blagues. Elles en savaient plein et elles connaissaient toutes les miennes. Et le curé, ça l'a fait rire? Ah, pour ça, oui. Pauvre Béa. Perdre son père de cette façon. Je te jure, quand j'y pense, ça me fait de la peine. Je croyais que tu la trouvais un peu nymphomane. Ça n'a rien à voir. Avant, j'étais pas objective. Je la jugeais d'un point de vue passionnel. Et maintenant, c'est mon cœur qui parle. Tu comprends? Et le cœur, ça n'a rien à voir avec la passion? Je te suis pas très bien, là, Charles. Ça, c'est normal. Tu sais pas ce que c'est, toi. T'as jamais eu de cœur? Ah non. Non. Jamais? Jamais. Jamais. Mmh.